Voilà la porte par laquelle les premiers missionnaires sont arrivés au Bénin. Le mémorial a été fait pour les 150 ans de l'évangélisation du Bénin. Vous voyez, ça a vieux différemment. Il y a des gens qui regardent, donc c'est la lumière, la bonne nouvelle, la lumière qui vient. Il y a des gens qui regardent la lumière, qui la fait. Celle-là, par exemple, elle n'avait pas d'accord, qu'elle ne comprenait pas. On est venu vous saluer, vous resaluer, parce qu'on s'est salué hier. On est venu vous redire bonjour pour voir comment vous vous comportez en classe. Si vous êtes studieux, si vous prenez bien au sérieux les choses. C'est la classe du CM2, ceux qui, la première promotion qui iront à l'examen cette année. Ici, c'est la base de CM2. Nous avons un effectif de 34, dont 17 filles et 17 garçons.
Pour le moment, nous sommes au début. Nous ne pouvons rien dire pour le moment, mais grâce à Dieu, par la grâce de Dieu, on va essayer de donner 100%. Alors, nous sommes la première promotion de Saint-Joseph. Donc, ils vont porter au haut le fardeau de cette école. Sont en train de tracer la route maintenant. C'est ça qui complique plus le déplacement. Les choses vont très lentement. Oui. Ils avaient annoncé, ça fait plus d'un an qu'ils vont faire la route là. Moi j'étais content qu'ils allaient le faire avant la réalisation de notre projet là. Oui. Mais malheureusement, c'est maintenant que quand on a fini qu'ils ont commencé. C'est eux qui ont déraciné les arbres.
papa, mon petit. C'est papa ici. C'est papa, maman. Bonjour, maman. Mon père n'est pas encore arrivé. C'est papa ici, maman ici. Bonjour, les enfants. Ce matin pour rendre grâce avec vous et par moi, c'est mon Seigneur qui est présent et qui préside cette Eucharistie. C'est un service qui m'a été demandé et je suis sûr s'il était là, c'est lui-même qui serait venu présider cette Eucharistie, cette action de grâce pour ce que des amis, des gens comme vous et moi ont voulu faire au milieu de nous. Ça vous dit? Voilà, si vous pouvez vous lever. Voilà. Donc, c'est Stéphane et Chantal. Ils ont perdu leur fille. Mais comme leur fille voulait quelque chose, voulait se mettre au service des démunis et surtout en travaillant dans l'éducation, comme leur fille est partie, ils n'ont plus les moyens, elles ne pouvaient plus réaliser cela. Eux, parents, ils ont accueilli cette épreuve avec foi. Ils ont dit, bon, puisque notre fille n'a pas pu le faire, nous allons le faire. Et depuis, ils se sont engagés pour travailler chez nous et certainement ailleurs aussi, pour que nous puissions accéder à l'éducation. Et le bâtiment qui est là et que nous voyons, c'est leur eux. Ils se sont engagés, même ils ont tenu à venir ici et participer aux cérémonies d'inauguration. Qu'est-ce que nous allons faire pour eux? Nous allons leur faire un grand banc. Vous pouvez vous asseoir. Donc, quand il y aura la coupure, il y a le banc. Après la coupure des rubans, il y aura la pose de la photo de Louise. La coupure sera faite par sa maman et son papa. La pose de la photo de Louise sera passée par Daniel et le diacre Henri. I'm going to go to the hospital.
Je te montre.